Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau 48 Hours Wedding. C'est la suite du mariage civil de Pauline et Kevin. Tu as vu dans l'épisode d'avant, en fait, leur mariage civil. Et là, on part sur leur mariage religieux. Et regardez qui est là, qui sait conduire cette fois. Donc, du coup, pour vous présenter un petit peu Kevin et Pauline, ils sont très élégants, ils veulent un mariage chic. J'espère qu'il fera beau toute la journée. Il n'y a pas eu trop de couacs pour ce mariage, on espère que ça va durer toute la journée et j'ai hâte de te montrer ça. Hello girls! Ça va? Ouais, toi? Oui, ça va. Là, ça va être le cocktail, non? De ce que je... Alors, non, le cocktail est plus là-bas. Où ça? Là-bas. Ah, ok. Là, on peut le faire aussi là, mais normalement, il n'est pas là. Surtout, c'est s'il pleut, toute la nourriture va être plus latente en fait. Donc, les gens vont pas venir, ça sera plus, ouais. Plus simple. Ils arrivent là. Ouais, ils arrivent. Tu veux la voiture là ou non, sur le chemin? Merci. Ok. En mode James Bond, les gars. Beau gosse. Et on peut en faire une sur les lunettes de soleil? Yes, of course. Je veux un peu par les épaules. Yes. Génial. Stop, merci. Tu me fais un Léo? Yes. Tu me fais un clin d'œil? Yeah! Ah, ça a du mal le clin d'œil. 1, 2, 3, yes! Parfait! Regardez-vous tous! Yes! Rigolez, c'est cool! Stop! Les amis, ah ils sont déjà dedans. Alors il y en a quelques-uns. Ouais. Cette vidéo, on ne dort pas dans la voiture cette fois-ci, pas d'inondation, pas de pluie, ils sont passés encore une fois de plus à côté de la pluie, parce qu'il était prévu quand même de la pluie entre deux jours de soleil. Bref, tout s'est bien passé, plus ou moins, le reste restera entre prestataires, parce que sinon ça fera trop flipper nos mariés. Je rentre. C'est Clément qui conduit, qui m'accompagne. Je dérush comme d'hab. Je mets sur le disque dur externe comme d'hab. Je mets sur mon ordinateur comme d'hab. Je fais des previews comme d'hab. Et puis après je dors. Et demain, bah,
test PCR pour après-demain, avion pour la Tunisie, pour le prochain vlog.